Sortez golfer, vous n'allez pas le regretter. Ça prend ton sac, tes balles, tes souliers. Sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu en fait, beaucoup de pratique. Mais un coup que t'as commencé, tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence les birdies. Ça paraît plus dur que s'en aller. J'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. Tu vas vouloir y retourner même en hiver. Sortez golfer. Ça faisait vraiment longtemps qu'on avait ce projet-là en tête d'organiser un voyage de golf, sortez golfer. Là, c'est fait, on est une trentaine de personnes, on a pris l'avion de Montréal, débarqué ici à Riviera-Maya, on est au Iberostar, Paraiso, Lindo. Il y a plusieurs hôtels, il y a le Grand, il y a le Beach, il y a le Lindo, c'est une superbe chaîne d'hôtels. Puis nous, on a la chance cette semaine de jouer des petites parties amicales slash compétition ici au Iberostar, Playa Paraiso, un terrain exceptionnel que j'ai hâte de vous faire découvrir. On a vraiment un beau groupe, on a du monde de partout, on a du monde de tous les âges, on a même des gens qui viennent s'échauffer en gogoun. Ça, je trouve ça extraordinaire. Elle est bonne quand même. Yeah. Oui. Yeah. Yeah. Alors, on va jouer une formule Cup Rider. Bon, on joue vraiment pour le plaisir. On a fait des équipes de deux. On veut juste vous faire découvrir la région, vous faire découvrir l'hôtel, puis vous montrer à quel point c'est cool. Un voyage à golf en groupe. Puis l'esprit de ce voyage-là, ben, c'est l'esprit de sortir golfer, c'est de s'amuser, c'est de jouer au golf, de se faire des amis, puis de rencontrer du nouveau monde. Fait que, bonne semaine. Ça va bien aller, boys. Ça va bien aller. Pas évident dans la mesure où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de fosses de sable. Le gazon n'est pas le même. Le gazon, c'est du Bermuda. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué au Québec. Fait que pour plusieurs personnes dans notre groupe, c'est un nouveau défi. C'est tellement le fun d'aller voir apprécier du golf ailleurs qu'au Québec. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. Les verts de pratique sont exceptionnels. Les verts sur le terrain sont super beaux aussi. Vraiment hâte de vous montrer le terrain. C'est vraiment exceptionnel. Ben là, les équipes, c'est Team Spooner contre Team Lalonde. Max, il est rusé, Max. Les quatre gars de Gatineau qui sont avec moi, là, puis il les a mis sur son équipe. Il est en train de m'isoler et essayer de m'avoir pendant trois rondes. Les gars ne me parleront plus à la place. C'est ça qu'il fait. Fait que, on lâche pas, Max, on va de l'avoir pareil. Bon, les boys de semaine, belle semaine. Écœurant. Qu'est-ce qui est cool ici cette semaine? Ben, la température, les boys, la gang, les filles aussi, pour faire attention. T'sais, une belle gang, c'était très festif, tout est parfait, le golf est parfait, la bouffe est parfaite. Les organisateurs ont fait un merveilleux travail. J'aime beaucoup les par 3 parce que je frappe pas, fait que... mais je trouve que les trous qui ont de l'eau sont quand même beaux, sont très très beaux. Mais le layout, c'est dur à dire un trou parce qu'il est tellement beau le terrain, il est merveilleux. Mais j'ai commencé comme premier job à Cadet au club de golf Rosemère. Et là, j'ai cadé pendant plusieurs années, jeune, à 13-14 ans. Puis là, c'est là que j'ai commencé à jouer au golf. Puis après ça, j'ai joué jusqu'à, je te dirais, jusqu'à la trentaine. Après ça, la famille, le travail. Fait que t'es obligé de mettre ça de côté. Mais là, j'y reviens sérieusement. Vous avez donné vraiment le goût cette semaine de revenir. Oui. Vraiment, vraiment le goût. Oh! Nice shot! Oh! Oh! C'était du solide, ça! Oh! Fuck! Fucking shit! Oh! Un coup pour les pros! Normal 4. Coup numéro 13, ça trappe en 1. Un contentement imminent de Max. Regardez bien son visage. Déception. Et chocolat. Now you're talking?
C'est pas un terrain facile, mais on a du plaisir. Puis si jamais j'ai faim, j'ai un popsicle avec moi. Ma balle t'allait se baigner. Alors voilà, on est installé au Mexique pour une super belle semaine de golf ici au Iberostar Playa Paraiso. C'est un endroit incroyable. De l'autre côté de la pause, on vous présente le groupe de golfeurs qu'on a avec nous autres cette semaine. C'est vraiment du monde de fun, vous allez voir. The Power Feed! Facile, jouer au golf, on devrait être payé. Sortez golfé! Sortez golfé! Salut tout le monde, capsule sortez golfer les filles. Cette année, on fait les choses différemment. On a décidé d'aller rencontrer des athlètes professionnels qui jouent aussi au golf. Et on commence la saison en rencontrant 4 joueuses de hockey. On va aller voir comment elles se débrouillent sur le terrain. Karel, bienvenue au Golf Exécutif Montréal. Il y a clairement du talent en golf aujourd'hui sur le terrain, là. T'es pas une débutante. Je pense qu'on a eu du plaisir plus qu'autre chose, là, mais on aime ça. À travers les années, on s'est amélioré un peu. Je joue au golf, mais je joue pour le plaisir en tant que tel. Fait que je suis bonne à frapper fort. Je vais me permettre de le dire comme ça, d'habitude. Bien, c'est un excellent départ. Comment est arrivé le golf dans ta vie? On sait que, bon, la plupart des joueurs de hockey jouent au golf. Ouais. Est-ce que c'est la même chose côté joueuse? Écoute, je pense que mon père, il a toujours comme un peu joué l'été avec mes oncles, ces choses-là. Fait que c'est devenu comme un petit... On va faire une sortie ensemble là, avec papa et sa fille. Puis j'ai joué ici, là, mais je jouais genre 2 fois par année. C'était pas quelque chose qui était super... je jouais pas assez pour m'améliorer, admettons. Puis, ben, à force de jouer, ben, tu deviens meilleur. Fait que t'apprécies un peu plus. Oh! Wow! Hey, Cax, c'est ma teammate, ça! Ça, c'est loin, là! C'est beau, ça, Cax! OK, yes, oui, c'est à toi, l'ami. Passage aux États-Unis aussi, c'est vraiment là, quand t'es allé coacher aux États-Unis, que t'as eu la chance de peut-être jouer plus souvent, justement. Oui, exact. Fait que j'ai gradué de l'Université de Saint-Lawrence, puis j'ai eu une opportunité de devenir entraîneuse adjointe pour une université là-bas, Division 1, au niveau du hockey. Puis là, tu sais, je jouais avec mon ami qui était un coach de golf. Fait que, tu sais, il te donne un peu plus de points pour t'améliorer puis ces choses-là. Puis là, c'est là que ma game s'est développée ou peut-être je suis devenue un petit peu meilleure à travers ça. Puis quand tu deviens bonne à quelque chose, bien, tu l'apprécies un peu plus. Tu veux en faire un peu plus, tu veux te donner. Fait que c'est là que j'ai développé ma game de golf qui est encore un mettons, level amateur, là. Je me amatrice au maximum, là. Oui, amatrice avec beaucoup de talent. Et je pense que ça vient du hockey un peu aussi, là. Ouais, ça m'aide. Parlons-en justement des parallèles peut-être à faire entre le hockey et le golf. Je te dirais que vu qu'on est tellement dans une saison comme off pendant environ 4 mois, bien, pendant ton été, tu essaies de faire quelque chose qui te déconnecte aussi de la glace. Fait que j'ai comme tombé un petit peu en amour avec le golf. Quand je vais avec mes amis de filles, ben, tu sais, on a du fun, la musique joue, c'est un peu plus casual, puis on apprécie ce qu'on vit, puis on est dans la nature, puis on joue. Mais en même temps, il y a toujours une petite compétition qu'on fait une contre l'autre. J'aime ça aider aussi les joueurs. Ce qui fonctionne pour moi pourrait fonctionner pour elles parce qu'on a tous le même style de swing, on est tous tout croche, si je peux me le permettre, mais on joue avec notre tout crocheness. Puis là, t'es passé comme agente, oui. Fait que de pouvoir jouer aussi avec des joueuses que tu représentes, mais aussi peut-être des futurs joueurs. Oui, j'imagine que ça a des avantages au niveau business aussi. Bien, écoute, j'ai pas fait le côté recrutement de la chose via le golf, mais j'ai définitivement amené certaines de nos joueuses même à connecter avec des marques, mais à travers le tout, j'ai des filles que j'ai rencontrées au passage que j'invite aussi, puis on va jouer une petite game de golf. Puis c'est plus au moment de... on socialise, là. C'est vraiment à cet endroit-là, une connexion qui se fait différente que dans une aréna, mettons. Hey, merci, Karen. Merci. Bonne saison. Merci beaucoup. Merci. Toi aussi. Ce
qui est incroyable au Libero Star Paraiso, c'est que le terrain de golf est à 2 minutes de l'hôtel. Ici, il y en a 5. Il y a le Del Mar, il y a le Beach, il y a le Lindo, il y a le Maya et il y a le Grand. C'est tous sur le même complexe. Et on arrive au club de golf qui est à 2 minutes de marche de où nous on est, le Lindo. Donc ça se fait vraiment bien le matin. Puis si ça vous tente pas de marcher, parce que des fois le matin à 7h, 8h, il fait déjà 30 degrés, vous pouvez prendre une navette qui va vous amener directement au club de golf. C'est super simple, c'est juste là. Ça fait littéralement 15 secondes. Vraiment. Aujourd'hui, c'est la finale de la compétition. C'est 1-1, mon équipe contre l'équipe de Steve, le capitaine de l'autre équipe, justement. C'est vraiment différent comme panorama. Le terrain est super beau, le terrain est vallonneux, il fait chaud. Il y en a quelques-uns qui ont pris un ou deux margaritas. Mais à part de ça, sinon tout est beau, rien à signaler, rien à déclarer. Pour le reste de la semaine, on s'amuse vraiment. C'est une journée importante aujourd'hui, c'est la ronde finale et c'est la bataille des capitales aujourd'hui. C'est tellement pas sérieux comme compétition. C'est les Sunday Singles, Steve. Oui, oui. C'est bon thème pour les bars. Oui, pour les chics. Oui, il y en a pas beaucoup, par exemple. Mais non, mais pour vrai, c'est une super belle compétition. Ça, on fait des petits matchs un contre un aujourd'hui. Le monde a vraiment l'air de s'amuser cette semaine. Ben écoute, tu dis ça juste pour devenir à chaleur, parce que tu sais que la pression est sur ton équipe. Nous autres, aucune attente sur notre bord. Ouais. En plus, tu regardes ton équipe sur le range présentement, tu vois qu'il y en a qui ont des problèmes de locaux. Fait que tu sais, je comprends, t'essayes de diminuer la... ouais. un peu le... J'essaie de diminuer la pression et les enjeux. De ce round-là, évidemment, le premier objectif, c'est la victoire. On est à la chase for the bird. C'est la course pour le premier bird. Mon premier bird. Le soleil me tend la main, ça va bien. Stéphane, c'est un livreur pour Coke, fait que maintenant, quand il va venir livrer les produits dans vos épiceries, dans vos dépanneurs, peu importe, il faut qu'il débarque du truck en chantant la dame en bleu. Bon, je fais ça, allez. Quel est ce beau petit livreur qui s'en vient me porter mon bonheur? Il est où, le bonheur? Shotgun. J'ai commencé juste de temps à autre, une ou deux parties par année depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. Puis ça fait à peu près 3 ans que je joue un petit peu plus parce que je suis à la retraite. On aime voyager, puis mon épouse, mon beau-frère, ma belle-sœur, on aime aller sur des terrains de golf, un peu comme ceux-là ici, dans le sud, puis un peu partout aussi au Québec. On n'est pas membre nulle part, mais on est membre partout. La variété des terrains, je te dirais, le challenge des terrains, puis de justement la nature, de voir beaucoup de nature, puis de comparer, de s'assimiler à différents terrains, différents types de gazon, d'esthétique de terrain. Là, c'est vraiment merveilleux pour nous. Là. Mes deux plus beaux moments au golf, c'est mes deux trous d'un coup, probablement à grand-mère au trou numéro 5 et au trou numéro 13. Et non! Golf Québec, Sortez Golfé, Riviera Maya. Je me rappelle plus du nom du resort, mais c'est pas important, c'est là qu'on est en ce moment. L'analyse. C'est important, l'analyse. Oui, on salue la foule! Ça valait la peine d'analyser son coup! Merci, merci! Quand on fait un birdie, c'est la dernière personne qui le fait, qui garde l'oiseau. Jusqu'à maintenant, ton plus beau moment au golf? Bon, ça doit être probablement... C'est toujours un bon coup, hein? Fait que je te dirais que c'est un Eagle que j'ai joué à Myrtle Beach à l'automne. Oui. C'est un par 5, ouais. Cool. Ouais. Avec qui t'étais? Avec Chérie. Chérie qui est cachée là. Ouais.
Avec la marmotte. Oui, c'est vrai que tu nous l'apportes, ta marmotte. Je pense que, oui, ben, c'est sinon des beaux moments au golf. Je pense que j'en ai à tous les jours, honnêtement. Là. Moi, ce que j'aime là, du golf, c'est, en premier lieu, c'est l'exercice en nature. On joue tôt le matin. Chevreuil, les petits oiseaux, ça chante de tout bord, c'est beau, c'est beau. C'est... Le golf, c'est pas juste le sport, c'est tout le reste pour moi. Mmh. Un coup de professionnel. Tout est dans les souliers. Tout est dans les souliers, finalement. Fait que Bernard, tu connais la tradition? Oui. Quand on réussit un trou d'un coup, on paye la tournée. On est 32 joueurs. Ça me stresse un peu de payer pour tout le monde, mais je pense que c'est la bonne place pour faire un trou d'un coup. Tout inclus, donc c'est pas moi qui vais payer. Écoute, si on monte la côte, ça risque d'être pas pire. Si on monte pas la côte, ça va faire dur. Où que ça va être pour ça? Ouh, ça va être beau, ça! Pour ceux qui ne connaissent pas Frank Dehou, Frank Dehou, golfeur hors pair, il s'ajuste à son environnement constamment. Si vous regardez sa prise pour regarder ses lignes, c'est la technique du coati. Si vous regardez ici, le coati, c'est le raton laveur du Québec. Puis on voit que physiquement, ils ont des grosses fesses puis le museau long. C'est pour mieux sentir le grain. Une technique qui réussit à date. Le seul désavantage, c'est que tu n'es pas capable de laisser ta sandwich sur le cart sans surveillance. Mais autre que ça, tout va bien. Yeah! Coati, baby! Coati, le Mexican raccoon. Coati. Sortez golfer, Golf Québec. Oh! La... oui, oui, de proud, on sait de la foule. C'est de ça. Ce voyage au Mexique a été rendu possible grâce à notre partenaire principal à Sortez Golfer, Bel Air Direct. Je suis avec Chantal Chartier, directrice des ventes chez Bel Air. Chantal, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble. On avait en tête ce voyage-là depuis un petit bout. Là, de voir la marque Sortez Golfer s'installer au Mexique, comment tu te sens? En fait, c'est incroyable. Bel Air Direct supporte le golf depuis au moins 10 ans. Alors, pour moi, c'est un honneur, et surtout une magnifique semaine avec des gens incroyables. Ouais. Alors, pour moi, ça, là, pour moi, c'est, ça vaut beaucoup plus que la marque Sortez Golfer, etc. Et tous les gens qui nous entourent, Max. Vraiment? Yeah, baby. That one's for you. Je pense que c'est le premier d'une longue séquence de voyage sur des golfers. Tout à fait. Puis on souhaite aussi parce qu'on t'en demande. Mais ça. Puis en plus, j'ai joué au golf aujourd'hui. J'avais des gens derrière qui m'ont dit c'est qui vous autres? C'est alors, une belle gang. Ça en dit beaucoup des gens en partant. Alors je pense que c'est un grand succès. Et j'espère que l'an prochain, dans les mois à suivre, on continue ça. Puis je pense que ça va être encore meilleur que ce qu'on fait, parce que c'est déjà excellent. Ça peut juste s'en aller en s'améliorant. Chantal, merci beaucoup de la collaboration Max, encore. Merci beaucoup pour être un ambassadeur. Merci. C'est juste parfait. Sortez golfer! Sortez golfer! Sortez golfer! On organise un voyage Sortez Golfer en collaboration avec Bel Air Direct et avec Voyage Jean-Pierre. J'étais avec Pierre Lafrenière de chez Voyage Jean-Pierre. Fallait choisir une destination, fallait choisir un hôtel. C'est grand, la planète, on avait beaucoup de choix. Pierre, pourquoi le Mexique? Pourquoi les Iberostars? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Premièrement, c'est le climat, la chaleur, l'organisation avec Iberostar. Tout est à portée de main. On a des facilités ici avec... avec le directeur de golf. Fait que tout est, c'est quasiment clé en main. Le terrain golf, la distance de marche de l'hôtel. Exactement. On est à moins de 300 mètres de l'hôtel. Alors, tout est parfait. Ça a tellement été comme la destination parfaite pour répondre aux besoins d'à peu près tout le monde. C'est un peu ça qui l'a rendu logique, j'imagine? Oui, exactement. Puis en plus, le groupe d'âge, ça porte de la trentaine d'années jusqu'à
On a des gens de presque 80 ans avec nous. Puis les calibres de golfeurs, on a de débutants à aller jusqu'à experts. Ouais. Alors, c'est facile pour tout le monde. On amalgame tout le monde. On réussit à... À créer une belle synergie. Exactement, oui. Vraiment. Puis on va terminer avec la qualité du terrain. Quel beau terrain. C'est un terrain de qualité du PGA. Puis écoute, on n'a absolument rien à dire. Les facilités, on a juste à avoir le champ de pratique en arrière. Puis écoute, c'est de classe A1. On n'a rien à dire. Merci beaucoup pour la suggestion. C'est vraiment une super belle semaine. Bien, merci à toi de nous accompagner. Bien là, c'est le fun, Galen. D'avoir embarqué dans le prix, dans le voyage, sortir golfé avec nous autres, ça a été un plaisir. Il reste encore deux jours, c'était un grand plaisir de passer la semaine avec nous autres. Beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez aller, puis que vous allez me battre avec nous autres. Il y a plusieurs bons matchs serrés, il y a plein de matchs pas serrés. Ah oui, ça va donc en sorte qu'après deux années de compétition, l'équipe Spooner est à 1 et mon équipe est à 1. Je suis fier de vous annoncer que l'équipe de la Londres a gagné aujourd'hui 76-57. Donc, bravo! Salut tout le monde! Salut tout le monde! J'espère que votre fin de voyage va bien se découvrir une partie de depuis demain. Amusez-vous, profitez du resort. Allez poser des questions à François à la plage de Paris. Merci à Chantal, merci à François et merci à chacun de vous. Bonne fin de voyage, sortez le plus bon souper, amusez-vous tout le monde. Je te remercie tout le monde. Oui. Mais je pense qu'on peut te remercier aussi. Merci. 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 Merci.